Cela leur tenait à cœur. En janvier 2020, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Quelques mois plus tard, ils ont renoncé à leurs titres royaux et sont partis s'installer aux États-Unis avec leur enfant. Depuis, ils ont enchaîné les révélations plus choquantes les unes que les autres et celles-ci ont causé beaucoup de tort aux membres de la famille royale. Ainsi, il y a de nombreuses tensions entre le prince William et son frère, mais tous deux sont professionnels et savent les mettre de côté si nécessaire. Le 1er décembre dernier, ils étaient réunis pour un événement un peu spécial. En effet, les deux frères ont récompensé les vainqueurs des Diana Awards. Il s'agit de prix remis à des jeunes entre 9 et 25 ans pour leur engagement social et humanitaire. Le prince William a reçu une dizaine de gagnants à Kensington Palace et il a pu compter sur la présence du prince Harry qui était en Zoom pour discuter avec des lauréats de l'édition 2021. Une réunion virtuelle qui a été très remarquée. Des tensions qui s'apaisent, ces retrouvailles, même virtuelles, sont très importantes pour les princes Harry et William. Pour rappel, tous deux s'étaient déjà retrouvés en avril dernier lors des obsèques du prince Philippe. Si est-il sans Meghan Markle, enceinte de son second enfant à ce moment-là, que le prince Harry avait fait le déplacement. Celui-ci avait été très remarqué puisqu'il avait fait quelques pas aux côtés du prince William à la fin de la cérémonie. Quelques mois plus tard, tous deux s'étaient retrouvés à l'occasion de l'inauguration de la statue de Lady Diana, le 1er juillet dernier. Un moment chargé en émotions et qui avait permis aux deux frères de se rapprocher. Quelques jours plus tard, le spécialiste de la lecture labiale Jeremy Freeman avait révélé que le prince William était paniqué à l'idée de ne pas arriver à retirer le drap correctement. Je ne voudrais pas que quelque chose se passe mal, il est important que nous la dévoilions correctement. Si est-il important qu'on le fasse bien, aurait-il indiqué à son frère. Ce à quoi le mari de Meghan Markle aurait immédiatement répondu, tout ira bien. Prince Harry, va-t-il se réconcilier avec le prince William et le prince Charles? Le prince Harry semble être décidé à apaiser les tensions avec sa famille. Alors qu'il enchaîne les événements avec son frère, le prince William, va-t-il également se réconcilier avec son père? Charles a été extrêmement blessé lorsque Harry et Meghan l'ont simplement laissé tomber, lorsqu'ils ont abandonné leur rôle et ont déménagé à l'étranger, a indiqué une source royale à page 6. Par la suite, cette même personne a indiqué que tous deux avaient repris contact. Je ne pense pas que Harry et Charles aient discuté avant un bon moment, mais maintenant les canaux de communication sont ouverts, a-t-elle assuré. Vont-ils réussir à apaiser les tensions ?